c'est le train. Ça fait un bruit ferroviaire. On va se mettre en haut. Oui. Regardez de près. De savoir ce qu'on regarde. Oui. Mais c'est pas mal de cadrer comme ça. Alors, côté couleur. Ça a pas l'air trop mal, simplement le bleu du tableau original est plus verdâtre que celui-ci, que le tableau qui est sur l'écran. Je parlerai le moins possible, c'est promis. Je vous dirai tout de même dans quelques instants pourquoi Pierre Alechinski, à notre demande, regarde sur un récepteur de télévision l'une de ces peintures qu'il a en vrai devant lui. Lorsqu'on s'apprête à tracer le profil d'un peintre dont on aime la peinture, on est content, un peu impressionné aussi par son importance dans le monde entier. Être content n'empêche pas de se poser des questions. Comment la peinture et la parole vont-elles s'entendre entre elles? Certes, Pierre Alechinski a écrit des livres. Les livres peuvent nous aider. Lorsque nous sommes arrivés à Bougival, chez Pierre Alechinski, nous avions dans la tête une petite phrase de Valéry. L'œil est absent de ce qu'on voit. L'œil, oui, mais la caméra. Nous avons été souvent frappés, Bobert et moi, de l'infidélité fréquente des reproductions, à propos de Cézanne, par exemple. Et nous nous étions promis de faire au mieux. Qu'est-ce que ça veut dire, faire au mieux? Ça veut dire faire évaluer par le peintre lui-même l'image que nous donnons de ses œuvres. Pierre Alechinski trouvait cette idée un peu bizarre. Pour lui, une bonne reproduction, c'est un document qui donne au regardeur l'envie de voir l'original. Nous, têtus, nous avons essayé de suivre notre idée. D'où la présence de deux caméras, l'une enregistrant les peintures, l'autre enregistrant Pierre Alechinski, regardant sur un récepteur l'image que nous lui proposons de ses œuvres. À côté des cadreurs, un technicien est là qui peut, à la demande du peintre, modifier les couleurs, tenter d'améliorer la reproduction. Allons-y. Alors comment on fait si vous vouliez avoir la couleur exacte? Il y a moyen de verdir, mais je ne sais pas si on verdit le bleu, ça va verdir tout le reste. On va tenter ça. Oui. Pour le moment, votre bleu est plus violacé. Plus violacé, oui. C'est vrai. Et là, il commence à... Donc, il faut supprimer du rouge. Et si on supprime du rouge, on va... Est-ce que vous le voyez... Fichier tout le reste. Pardon? Est-ce que vous le voyez virer vers le vert, là? Et en effet, tout est devenu plus rose au centre. Si je reviens, alors il faut voir quel est le... Donc là, comment s'en sortir pour que ça soit... Ah. Oui. Bon. Alors, à vrai dire, j'aime mieux que le bleu soit faux, mais que tout ce qui est rose ait un peu plus de corps et soit... moins bonbon fondant. Et vous montez dans le coin nord-est. Vous voyez que le bleu est vraiment, il fait outre-mer, alors qu'il a quelque chose de moins clinquant, d'heureusement un peu sale, qui
peux vous proposer ça. Le vert n'est pas mal. Le vert n'est pas mal. Difficile. Alors. Oh là là. Pour moi, il n'y a vraiment que le problème du bleu, mais ça me paraît inhérent à la télévision. Ah oui, c'est... C'est inhérent à votre métier. Ah ben, il y a une transparence qui est exagérée. La télévision exagère la transparence. Puisque c'est de la lumière qui arrive c'est sur comme l'écran. Si, c'est comme si, évidemment. Tandis que le peintre, il applique une couleur. Ah, si on simule quelque chose comme ça, est-ce que ça c'est autre chose. Oui. Pour le vert, ça lui fait du bien. On va essayer d'agir sur moins de luminosité. C'est ça. Oui. Vraiment, je crois que c'est le problème du bleu. Moi, ça m'intéresserait de savoir si dans un autre tableau, un autre bleu rencontre autant de difficultés que ce bleu. On va faire les bleus. Oui. Voilà. Le volcan, par exemple. Oui, puis ça, c'est un tout autre bleu. On va voir. Base de bleu, ça c'est un bleu un peu cobalt et ciruléum, ça n'a rien à voir avec le bleu outre-mer de tout à l'heure, lequel bleu outre-mer était perturbé par la sous-couche, mais ici ça paraît plus directement fidèle, peut-être autre chose, parce que là l'espèce d'explosion, d'éruption du volcan est... Le brun est un peu... pas tout à fait assez agressif. Et encore. Là, quand on s'approche, il reprend sa valeur. Ce qui veut dire que quand on est en gros plan, il y a une intensification de la... une pigmentation plus intense. Sur l'écran. Ce qui est bien. Et ce petit vert léger, c'est charmant, c'est bien, c'est bien. Là, on arrive à un résultat assez rapide. Mais on va virer celui-là et en mettre un autre, alors. Oui. Mais ça, c'est tout à fait autre chose. Ah. Là, on est dans le sombre. Ça, c'est un tableau plus récent, d'ailleurs. Ce qu'on a vu avant, c'est il y a à peu près 30 ans. Et ça, c'est l'été dernier. Ça s'appelle comment, celui-là ? Au-dedans. Si on en revient à la reproduction, là, ce que je ne vois malheureusement pas, c'est la qualité du noir, des petites remarques marginales qui est tout autour, qui sont à l'encre de Chine, pure, sur papier blanc. Ça devrait être noir et blanc, mais vraiment noir et blanc. Et quand on le voit en plan général, c'est assez brun, me semble-t-il. Le bleu et ce brun qui est une sorte de violet de Mars. Ça, il est pas mal. Quand on s'approche, évidemment, ça s'améliore, mais c'est pas encore ça. C'est mieux. Alors, au point de vue couleur, trop rougeâtre. Si on fait attention à la réalité du tableau qui est derrière nous, qui est devant nous. Mais, encore une fois, on se concentre tellement sur l'image qu'il y a sur le petit écran qu'on essaie de trouver une solution presque indépendante au tableau. Ce qui m'intéresse finalement, c'est que
Non, c'est, que ça, c'est que ça fonctionne sur le petit écran, comme très souvent en imprimerie, je me dis, est-ce que ça fonctionne sur cette page? Il y a moyen d'avoir encore plus noir le... Oui, on peut l'avoir comme ça. Mais c'est quand même mieux, ça. Ah oui, on perd le centre. On perd, la lumière. Oui, on agit sur la saturation des couleurs. Voilà, c'est ça, on sature, oui. Mais c'est quand même très, très gênant, ça. Ça veut dire que la télévision est incapable de traiter à la fois le noir et blanc et la couleur, c'est ensemble. Vrai. C'est vrai? Oui. Eh ben, c'est... Je vous félicite pas. Celui-là, il y a une couche de vernis qui va peut-être vous gêner pour la lumière. Là, c'est le contraire, évidemment. Le noir à l'intérieur, la couleur à l'extérieur. Bon. Alors, les marges et le centre. On pourrait croire que c'est bien, puis c'est pas bien. C'est uniquement les marges qui sont au point. Et le centre est neutralisé, c'est un seul noir alors qu'il y en a deux, très nettement deux, un violacé et un autre noir qui n'a rien à voir avec le violacé, on ne les voit pas ces deux-là. Bon, on va essayer. Voilà. Faudrait avancer vers le noir. Et le mieux défini. Là, ça commence. Et voilà, c'est bien. Voilà, là on voit les deux noirs. On voit cette espèce de mer qui est un noir tout à fait simple, et puis ce ciel de nuit violacé. Bon, alors là, c'est... Là, là, ça va, c'est bien, ça. Mais je crois qu'on est en train de prouver qu'on ne peut pas faire les deux ensemble à la télévision. Ben, alors, regardons ce qui se passe maintenant. Alors. Voilà. On peut avoir la... Revoir l'ensemble en tenant compte uniquement de... En regardant ce bleu-là. Voilà. Alors là, les marges se délitent. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de couleur dans les marges. Il y a vraiment une impossibilité de le faire dans la même image pour l'instant. Voilà. Pierre, à mon avis, si on prend les marges bonnes, bien représentées, bien reproduites, d'une part, d'autre part, le centre tel que vous l'avez approuvé, et si ces deux éléments bons, on les rejoint en régie au moment de la... Oui, ça c'est votre affaire. Je ne sais pas comment vous y prendrez, parce que je ne travaille pas avec un tire-ligne et mes angles ne sont pas des vrais c'est angles pas droits. Mais non, on va rien cacher, on va pas mentir du tout. C'est pas un montage, non. C'est que faire, comment se débrouiller pour garder les marges et conserver le centre. Bon, on va essayer. Ce serait bien. Bon. Ce serait bien, je ne demande pas mieux. D'accord. Nous voici en régie. Nous allons faire deux tentatives. La première concerne la reproduction du tableau intitulé « La nuit ». Je rappelle le problème. À Bougival, nous avions soit le centre bon et les marges mal reproduites, soit les marges bonnes et le centre mal reproduit. Avec les deux images, nous allons tenter d'en faire une bonne, correcte. Premier temps. La frontière, entre guillemets, qui sépare le centre des marges a été prélevée électroniquement. Puis le centre va être réintroduit. Je parle de l'image du centre que Pierre Alechinski a trouvée correcte. Maintenant, c'est au tour de la bonne image des marges. C'est les voici replacées. C'est pas mal. Oula. Ah oui, c'est trop bon. Oui, là, c'est... On a presque une nostalgie du noir quand on voit le violet fiche le camp. Peut-être un peu trop violet, quand même. Sûrement trop violet. Alors, je vais isoler le violet.
Puis alors, comment vous le reclassez? Vous le faites s'envoler au centre à nouveau? C'est pas mal, hein? C'est bien, c'est bien. Deuxième tentative avec le tableau intitulé « Au-dedans ». Pierre Alechinski trouvait avec raison que le noir des marges n'était pas assez noir. À Bougival, lorsqu'on montait une couleur, le tableau dans son ensemble était modifié. Ici, en régie, il est possible de modifier le noir des marges sans modifier l'image du centre. Cette fois, c'est la marge qui est prélevée. Regardez à droite le rectangle noir. Vous allez voir son noir monter dans tous les sens du terme. Il s'accroît et il grimpe. Ah, vous noircissez le tour. C'est bien, ça. Voilà, l'impression générale est bonne. Non, c'est bien, ça. Attention, la petite conversation qui va suivre et qui porte sur la reproduction a été enregistrée avant notre expérience en régie. Bon, je vais, on va en finir avec la reproduction. C'est pas absolument un hasard s'il y a ce petit livre sur la table, là. Oui, parce que je prétends que... Enfin, non, je prétends pas... Quand nous étions jeunes, on n'avait que du noir et blanc. Mmh. C'est juste après la guerre, Skira qui a commencé à publier en couleur. Mais c'était suffisant, parce que le noir et blanc suffit, parce que ça attire, ça donne envie de connaître l'original. Et on sait immédiatement que ce n'est pas le tableau. Mmh. Tandis qu'il y a des reproductions en couleur qui vous font croire que c'est le tableau et qui risquent de faire que le feuilleteur de livre ne fait que feuilleter un livre et ne va jamais voir l'original. Bon, ben, oui, c'est vrai, mais bon, celui-ci, là, Alechinski, d'encre et d'eau, 225 aquarelles et dessins, publié par Yves Rivière, il est très bien. Alors, il est de ce point, il est le contraire de ce que vous en effet, dire. Oui, parce que quand même, on est à une autre époque. On est, oui. Il faut dire qu'on avait trouvé un truc. Il faut parfois trouver un truc. C'est chaque aquarelle a été photographiée en lumière frisante. Comme je dessine sur... principalement de vieux papiers qui ont eu des aventures avant que je me mette à dessiner dessus. Les papiers sont chiffonnés, abîmés, pliés, les bords parfois déchirés, puisque ce sont des papiers qui sont parfois du 18e siècle ou des vieilles factures du 19e siècle. La lumière frisante augmente, intensifie ces défauts qui deviennent des qualités. Et le papier est reproduit de cette manière-là, encore une fois, à la lumière frisante, attrape une qualité visible, presque réelle. Et chaque aquarelle est comme en, malgré l'impression, comme en suspension dans le papier du livre. Donc la situation est paradoxale, parce que vous avez la nostalgie du noir et blanc, mais vous n'êtes pas mécontent de ce livre aussi. Mais on n'est pas un paradoxe près. Non, certes. Dans un livre... qui date de 70, vous décrivez deux faits qui, pour vous, ont été des faits importants. Voir, justement, voilà, Sting peindre une fois à Paris et une fois à New York. Une fois dans une piole du passage Raguineau, c'était l'ancien quartier chinois des années... je crois que jusque dans les années 70, c'était encore le quartier chinois à Paris, autour de la gare de Lyon. Mmh. Parce qu'un Chinois arrivait par bateau à Marseille, prenait le train jusqu'à la gare de Lyon et posait ses valises dans le quartier.
Et Ting, c'est ce qu'il a fait. Et il habitait une toute petite mansarde. Et il m'a invité un jour dans sa petite mansarde. Et j'étais tout à fait surpris de le voir travailler par terre, un papier au sol. Un grand bol d'encre de Chine dans la main. Moi qui travaillais debout avec un chevalet comme un escrimeur, à m'escrimer, à avoir de grandes difficultés avec tout ce matériel boueux de la peinture à l'huile et avec les forces de la pesanteur contre moi. Ça coule. Et surtout, toutes ces grandes possibilités d'hésitation et de doute exagéré, le doute inutile, trop de doute qui devient absolument paralysant et qui a comme raison une position physique qui permet l'aggravation du doute, c'est-à-dire avancer et reculer. On avance vers le tableau, on fait quelque chose à ce tableau, on agit dessus, et puis on recule. Jusqu'où ? On continue à reculer. On recule, mais est-ce qu'il y a une vraie raison d'avancer à nouveau ? On commence déjà à en douter. Et on peut très bien ouvrir la porte, descendre le escalier et aller au cinéma. Et ça, ça dure bon 10 ans. Je crois que jusqu'à mes 30 ans, j'ai été très tenté, après quelques reculs, de ne plus m'avancer. Mais voilà, Sting, vous l'avez vu la peindre et alors, par terre, Sting, en quelle année ? Travailler par terre, j'ai essayé aussi, et je me suis aperçu que la position physique, on n'appliquait plus les idées, mais on les versait. C'est une toute autre attitude. On est penché, alors se relever est un effort plus grand qu'un pas en arrière. Donc on continue. C'est plus naturel. À un moment, vous écrivez « Je me vide ». Oui, on verse. Je commence avec des tâches. Et pour perturber un peu, je peux changer aussi d'intensité, d'impact. Ce qui est plus facile à faire avec un buvard que dans la réalité, si c'était un vrai bombardement. C'est quand même extraordinaire qu'on ait un avion qui nous passe, et un avion militaire, puisqu'on est à 2 pas de la base de Salon. C'est courant quand on travaille ou avec un photographe qui est en train de vous photographier pendant que vous travaillez ou avec une caméra, c'est pas tout à fait la même chose que si on est seul dans l'atelier, qu'on a mis un peu de musique pour s'isoler, etc. Mais enfin, on va décider que c'est d'autrement en bonnet lapon. Bon, ça, c'est une première étape. Il n'est pas du tout dit que je ne transforme pas complètement cette chose par la suite, en la punaisant au mur, en l'observant. Voilà, mais ce serait une première étape, ça, avant de continuer. Le rôle du pointillé tout autour, c'est pour donner une indépendance à tout ce qui se passe à l'intérieur du vague rectangle.
Là, comme... comme je suis gaucher, je suis très souvent obligé de rétablir une ligne en diagonale de gauche à droite. C'est pour ça que j'ai donné une masse ici qui répond à celle-là. Mmh. Ça, c'est des petites stratégies, comme ça, des moyens pour que la lecture soit, j'espère, plus facile. En tout cas, pour moi, pour commencer. Après tout, je suis seul juge quand je démarre. Il faut aussi souvent faire attention de ne pas avoir des éléments comme ça qui sont parallèles. Mmh. Et pour ça, j'ai mijoté ceci. Alors ça, ça monte, et puis ceci est plus bas. Je voulais dire une phrase de... que vous citez de Ting, voilà, Ting. Ce n'est pas le tableau qui compte, ni image après. Mais pendant. C'est pendant. Pendant. C'est oui, ça s'applique d'ailleurs à d'autres... Un autre peintre aussi, c'est Bram van Velde. On parle toujours du drame de Bram van Velde, de ce côté malheureux, de sa vie malheureuse, et que... Tout ce drame, on voit dans sa peinture. Mais pas du tout, sa peinture est extrêmement joyeuse. C'est avant que c'est dramatique. Et c'est après que c'est dramatique. Lui, sa vie, etc. Mais pendant qu'il peint, c'est un moment beaucoup trop court et trop rare, de très grand bonheur. C'est pendant que ça compte. Après ou avant, on peut raconter toutes sortes d'histoires qui n'ont rien à voir avec ce intense plaisir. Qui doit être graphologiquement lisible. C'est-à-dire qu'un trait, s'il est dit avec ennui, ce trait dira ennui. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, comme l'équilibriste. Si on fait quelque chose d'inutile dans le trait, ça sera vu. Si on le fait avec méchanceté, ça sera vu. Et ce sera vu par qui? D'abord par le peintre lui-même. Le peintre, la fameuse phrase, le peintre est fait par son regardeur. Mais le premier regardeur, c'est le peintre. La visite à Ting, elle est de quand, là? Elle est avant mon voyage au Japon. C'est Ting qui m'a incité à aller au Japon. Et je n'ai été au Japon que par manque de Chine. Hmm. J'ai décidé d'aller au Japon en 52. Je rêvais de ce voyage. J'avais 27 ans. Mais j'ai vu le film que vous avez fait à ce moment-là, un film d'admiration pour la oui. calligraphie japonaise. Oui. Et peut-être que l'un des moments qui m'ont le plus surpris, c'est la très courte séquence où on voit des gosses apprendre à écrire. On leur apprend le geste. Hein ? Ça, c'est formidable. Oui, c'est une espèce d'énorme pantomime de groupe ouais. où le professeur, sans doute, fait-il le geste à l'envers devant les enfants et tous les enfants suivent, c'est comme un ballet, avec le dernier geste qui est un geste qui va mentalement plus loin que le trait, ce qui est comme une fin de trait... d'un dessin chinois ou japonais. Chose que j'avais observée chez Ting, cette espèce d'envolée d'hirondelle, comme ça, du trait. Du geste à la mémoire, du signe à la connaissance, chaque mot appris est une nouvelle victoire. L'enfant se maîtrise, il mesure son souffle, conquiert les milliers de signes qui peupleront son esprit. Écrire, c'est aussi dessiner. Un proverbe japonais dit « Celui qui possède une belle écriture dessine bien ». Vous avez
appris quelque chose du trait là-bas en les voyant, ou c'est, le trait est une création forcément personnelle? J'ai sans doute appris, mais pas tout de suite, ça a pris quelques années. À force de tremper un pinceau dans l'encre de Chine et de tracer sur un morceau de papier. Vous savez, l'enseignement d'un maître calligraphe, est décevant, parce qu'il joue sur la déception, ce qui n'est pas mauvais. On s'attend à avoir une réponse quand on demande comment devient-on calligraphe, on s'attend à avoir une réponse clé, une réponse qui va vous ouvrir les portes tout de suite, et on entend... il faut être bien assis et respirer. On se dit, se fout de moi, enfin, c'est pas possible. Et puis un jour, on s'aperçoit que pas bien assis, c'est pas aussi bien que bien assis. Et si on n'est pas un peu oxygéné, le trait est moins bien. Et on se dit, non, un chien, ce type, il avait drôlement raison. Quand j'ai repris le bateau, Shiryu Morita, un des calligraphes d'un groupe qui s'appelle Bokubi, et Bokubi traduit d'une façon indirecte, ça veut dire la beauté de l'encre, mais dans le sens du plaisir aussi. Il m'a remis un cadeau pour d'adieu. Il m'a remis un pinceau. Je ne me rendais pas compte que c'était comme une passation de pouvoir. J'ai mis du temps à me rendre compte que ce pinceau était exceptionnel. Il y a une série d'idéogrammes là, sur le manche qu'évidemment je ne comprends pas. Et un jour je l'ai montré à un ami japonais qui m'a dit « Ah, eh bien c'est très simple, ça veut dire ce pinceau a été fabriqué spécialement pour Shiryu Morita avec des soies de chèvre aussi fins que les poils pubescents d'une jeune fille. » Alors c'est assez amusant de se dire que j'ai travaillé pendant au moins 30 ans sans savoir, sans connaître cette phrase. Voilà. Si l'un de vos enfants ne travaille pas bien à l'école, Pierre Alechinski est là pour vous rassurer. Né en 1927 à Bruxelles, avant d'être le peintre qu'il est devenu, Pierre Alechinski a été carrément un cancre. Les études le contrariaient. J'écris des deux mains. La main gauche écrit à l'envers. Certes, il est gaucher, il aurait même pu écrire une dissertation des deux mains, si on avait eu envie. Cette capacité lui est restée. Tandis que l'usuel... Et là, oh là, pardon. Trop vite. Virgule. À l'envers, virgule. Virgule, bon. Il peint de la main gauche, mais encore aujourd'hui, il sait écrire des deux mains. Alors, j'écris des deux mains. Du mauvais élève d'autrefois, Pierre Alechinski a gardé quelque chose. Il ne sait pas copier. Quand on ne sait pas copier, deux points, on invente. Ayant 22 ans, en 1949, il va voir avec Mickey, sa femme, la première exposition d'un groupe intitulé Cobra. Co, comme Copenhague, BR, pour Bruxelles, A comme Amsterdam. C'est le poète d'Autremont, poète et peintre, qui garde l'exposition. Il y a là des tableaux de Jorn éclatants. Cobra, c'est la spontanéité. La spontanéité, les surréalistes en avaient fait une idée fixe. Cobra veut la libérer. Malgré cette petite différence, Pierre Alechinski parlera d'André Breton dans « Roue libre »
comme du contemporain capital. Parenthèse, dans ce même livre, Pierre Alechinski parle d'un dessinateur capital, le japonais Sengai, qui vivait au XVIIIe siècle. De Cobra, Pierre Alechinski gardera le goût des peintures dites à quatre mains, à deux pinceaux. L'un tenu par Jorn, par exemple, l'autre par d'autres mains. Ou l'un tenu par Alechinski et l'autre par d'autres mains, qui écrit « La nuit venue, j'allume un peu d'écriture pour voir et je ne vois rien. Alors je rampe sous les lettres et je m'enroule dans ce que j'ai dit. » Parfois même, Alechinski nous l'a dit, il peint à quatre mains avec un inconnu mort depuis longtemps, qui a laissé des traces, qui a écrit des lettres ou colorié des cartes. Il y a là comme une envie de ne pas être tout seul, que dit bien l'un de ses titres, « Seul comme pas deux ». Ça, c'est une série de cartes militaires qui datent de l'époque de Louis XIV, des cartes de cette dimension-là qui couvraient toute la France, qui ont été gravées au Burin. Mais j'ai trouvé ces cartes au marché aux puces. Il commençait à pleuvoir, il était grand temps que je les ramasse. Beaucoup étaient déjà très abîmés, avec des champignons. Donc, je pouvais ne pas avoir trop de respect et ne pas les conserver telles, et me mettre à les lire, et déchiffrer ce que j'y voyais. Par exemple, des forêts me font lire un personnage et j'élimine ce qui ne m'intéresse pas en couvrant à l'encre. Le format aussi est assez intéressant parce que ces gens à l'époque avaient une logique que nous avons perdue aujourd'hui. Ces cartes ont toujours une largeur liée au geste d'un homme déployant sa carte. On imagine qu'un officier tenant cette carte peut l'ouvrir sans faire un geste exagéré. À cheval, même. Voilà. À cheval. Aussi, oui. Bien sûr, l'officier est à cheval pour être un peu plus haut. Alors, là, c'est le pourtour de la Méditerranée. Et j'ai pu trouver une chose assez agréable. C'est tout d'un coup une adoration entre le Maroc et l'Algérie qui s'embrassent. Mmh. Le profil était dessiné par la frontière. C'est pas moi, c'est la frontière. Et le bleu et le rose sont natifs. Voilà, et les couleurs sont données par le brave homme qui a fait les pochoirs. Alors, ça, c'est tout à fait un hasard tout à fait curieux, c'est que c'est le Finistère, donc on est en Bretagne, et j'ai dessiné une vache qu'aujourd'hui on dirait folle, mais ça a été fait en 1984. Ça, c'est assez éloquent. En 84, il y a encore une Russie soviétique qui pouvait faire peur. Ça ne veut pas dire que la Russie, sans les soviets, ne fera pas peur un jour, mais on voit que l'Europe, c'est pas grand-chose. Là, voilà, ça, c'est typiquement la ligne, là, pas frontière, mais la côte. C'est le golfe de Gascogne qui m'a donné le profil de cette dame assez élégante. Ouais. C'est comme un cadeau. Il ne faut pas prendre tout à fait au mot ce que Pierre Alechinski écrit dans Lettre suit. Exemple. Alechinski écrit « Je me suis trompé de matériau pendant 20 ans ». Le matériau dont il parle est la peinture à l'huile. Avant de découvrir le plaisir de la peinture acrylique, Alechinski peignait à l'huile. Il a fait à l'huile un grand nombre de toiles magnifiques sans se tromper.
Donc, lorsqu'il dit qu'il s'est trompé de matériaux pendant 20 ans, c'est une façon de dire son plaisir de peindre depuis 30 ans à l'acrylique. Elle ne me tente plus du tout, la peinture à l'huile, poursuit-il. Première peinture à l'acrylique, 1965, Central Park. Oui, c'est-à-dire que c'est le premier tableau d'une certaine technique et tableau qui m'a amené à abandonner la peinture à l'huile, à pouvoir exploiter à la fois le dessin et la peinture, à travailler sur papier, ce que je ne faisais pas avant, en peignant, je peignais directement sur toile à l'huile. Et en même temps, j'ai dû apprendre à coller sur toile, c'est-à-dire maroufler. Maroufler, c'est un très très beau mot, d'ailleurs. Rien que pour ça, on marouflerait. La maroufle, je crois que c'était la colle permanente qu'il y avait dans les ateliers d'entoileurs. C'est très difficile les premières fois. Et il se fait que pour mon tableau Central Park, qui est mon premier marouflage, première peinture à l'acrylique, première peinture avec remarque marginale, c'est une première dans toutes les directions. J'ai complètement raté le marouflage. Et c'est ce qui fait que je ne m'en suis pas séparé. Parce que je n'ai pas osé présenter un tableau qui était aussi mal collé. Et ça, heureusement, parce que c'est un tableau, même s'il fait partie des meubles que je ne vois presque plus, que j'aime beaucoup et dont je ne me séparerai pas. Et voilà. Mais son image vient d'une surprise que j'ai eue un jour à New York en étant invité chez des amis qui habitait un 50e étage sur Central Park Sud. Et j'ai demandé, après avoir fait le tableau, à un ami de photographier pour moi Central Park. Il m'a envoyé ça par la poste, ici. Et j'ai retracé ce que j'ai vu pour rendre clair le plan de cette rêverie. Enfin, c'est la première fois qu'il y a eu centre et marge, hein. Oui, parce que quand j'ai fait le centre, je ne savais pas que j'allais faire des marges à cette époque-là. Et oui, ayant fait le centre aux États-Unis et les dessins sur une table basse, avec à proximité tout de même le centre punaisé au mur, et c'était venu à la suite d'une série de dessins que je faisais, que j'appelais des journaux dépliés. Je pliais mon papier, je dessinais sur un des petits rectangles obtenus par pliage, et puis en dépliant, je continuais, je me faisais une sorte de cadavre exquis pour moi tout seul, mais sans la véritable surprise du cadavre exquis, puisque je pouvais quand même à peu près savoir ce que j'avais fait. Mais c'est comme ça que ces images sont assez indépendantes les unes des autres. Et parfois, je ne savais pas trop que faire. Il y a des sortes d'images qui sont des relais, comme par exemple cette image-ci, avec ce vague lion. C'est venu tout simplement de l'étiquette de la petite bouteille d'encre de Chine achetée à Hong Kong il y a des années, que je copiais très maladroitement, parce que je suis au fond assez incapable de copier. Et c'est une sorte de décervelage, image par image. Là, il y a peut-être, dans cette image-ci, il y a peut-être une retrouvaille dans le cerne de cette espèce de profil des uh-huh. chemins qu'il y a dans Central Park. Lesquels chemins avec de vagues taxis jaunes. Et ce personnage... Je dis vagues parce que pourquoi les aurais-je fait d'une manière précise? Ça aurait été tout à fait absurde. Il fallait qu'ils soient vagues. Le personnage, hein? Le personnage, il y a pas mal d'amis qui... de gens de l'extérieur aussi qui s'imaginent que c'est mon autoportrait. Peut-être qu'ils ont raison, mais moi, je ne le vois pas comme ça.
De toute manière, c'est un personnage extrêmement ridé. Et quand j'ai peint ce tableau et quand j'ai dessiné ces remarques, j'avais 37 ans. Alors je ne crois pas que j'avais les rides que j'ai aujourd'hui. Un peu plus loin, il y a évidemment un côté américain terrifiant. C'est ces espèces de cagoules qui me font penser au Ku Klux Klan. Donc, à des horreurs qui peuvent se passer aux États-Unis. Et d'ailleurs, l'autre profil qui est là est dans la même position que le grand profil lu à travers les chemins. Donc là, il y a une allusion Central Park un peu à mes yeux terrifiant. Plus méchant que plus méchant que le centre. En effet, oui. Un peu plus loin, c'était à une époque, c'était dessiné à une époque, je pense, synchrone avec cette nouvelle de Cortazar. Blow Up, qui avait été filmé par Antonioni, et c'est l'idée de la victime. On presse le citron, comme ça, et puis jusqu'à plus quick. Au début de l'automne, nous sommes allés en Provence voir Pierre Alechinski. Nous souhaitions le voir faire ce qu'il ferait si nous n'étions pas là. C'était enfantin puisque nous étions là. Bref, Pierre a bien voulu tracer pour nous, et dans le temps donné par les circonstances, ce qu'il appellera un arbre de démonstration, tracé à la gomme arabique à peine visible, mais très présente puisque c'est elle qui refusera de prendre, d'absorber l'encre de Chine. Là, il faut attendre que ça sèche jusqu'à sans doute demain. On dira que ce sont des pommes.
carouflage? Oui, je vais vite le foutre sur sa toile pour qu'il, qu'il prenne sa place et pour ne pas devoir détremper deux fois le papier. C'est vite fait. Bon, c'est un papier très costaud qui n'est pas difficile. Quand on colle des papiers de Chine, c'est une autre affaire. Mais ces papiers-là sont tellement robustes. Ah là, le gris change déjà quand on exprime l'eau. Une prédère? Ben, je prépare, oui. C'est un papier de renfort, simplement. Pour qu'il y ait la même tension partout en séchant. C'est pas absolument utile, mais c'est une prudence parce que j'ai eu des accidents sans ce bout de papier en plus. Alors, il y a un texte repris dans Lettres suie que j'ai lu une première fois dans Roue Libre et qui était en fait intitulé à ce moment-là Sengai, hein, et qui commence par « À la pointe du pinceau ». Il m'arrive, je vis pour ces moments-là, d'inventer un trait. Déclenchement, mon dernier trait d'encre répond à celui de mes prédécesseurs. Quand vous dites prédécesseur, vous pensez Sengai? Oui, c'est très présomptueux, évidemment, c'est assez prétentieux, mais c'est quelque chose qui est venu. Enfin, c'est. Je dessinais sans penser à autre chose qu'à ce que je faisais, dans une sorte de rêverie. Je dis sans penser à autre chose, je ne sais pas. On est dans une rêverie en dessinant. On met une machine en route, comme ça. Et tout d'un coup, je me suis surpris à dessiner, à sortir un trait dans telle condition pour dire telle chose. En me disant, en un éclair, Sengai, au fin 18e siècle, dans un cas comme ça, ne l'aurait pas fait autrement. Alors c'est une espèce d'auto-louange que je me suis envoyé, qui m'a ravi, évidemment. Mais c'est être tout d'un coup en communication avec pas que soi-même, avec autre chose qui... Je suppose que des pianistes ont cette impression quand tout d'un coup, ils sentent qu'ils sont juste... On est juste par rapport à quoi avec la peinture? Il n'y a pas une grammaire, il n'y a pas un bon usage. On ne répète pas non plus, puisqu'on n'est pas instrumentiste, on ne déchiffre pas une musique qui existe. Donc ces sentiments-là d'être juste, c'est très difficile. C'est une affaire entre vous et vous, entre soi-même et soi-même. Nous avons commencé notre rencontre avec Pierre Alechinski par quelques questions sur la reproduction. Nous allons la terminer par, si j'ose dire, le contraire de la reproduction, par une lithographie.
Pierre Alechinski se sert ici d'encre lithographique sur un papier transparent qui sera plus tard reporté directement sur une plaque d'aluminium. Alors là, je laisse aller vraiment libre cours à mon instinct de gaucher, puisque tout va être rétabli par l'imprimerie. Les écrasements, ça permettra à la lumière de passer de façon différente. Ça donne une matière sur la planche. Ça fonctionne beaucoup mieux avec le journal Le Monde que n'importe quel autre. Donc il y a des choses que je peux enlever. Si ces taches-là me gênent, je les enlève. Ça, on verra. On verra comment on se débrouille. Mais il y a quand même une autre solution. Plus immédiate. Voilà, au diable. Et là, par transparence, on voit déjà toutes sortes d'effets qui vont apparaître en imprimerie. Moins la couleur. Une lithographie est une œuvre à plusieurs mains et même à plusieurs roues. Nous les verrons tourner. Les repères, on est... À gauche, Peter Bramsen, patron lithographe. Évidemment, on peut toujours enlever deux, trois petites... Alechinski dit « en imprimerie », comme on dit « en musique » ou « en amitié » ou « en admiration pour le trait, pour le langage des couleurs entre elles, pour l'œuvre. Bon à tirer. Thank you.
le type qui a inventé le correcteur, c'est pas mal. T'as fait le point. J'y vais d'un coup. Toi, vas-y, vas-y. Et hop. On nettoiera plus tard. Alors, qu'est-ce que je m'étais dit? Je ne sais même plus ce que je m'étais finalement, dit. Finalement, ça aussi, c'est... Avoir le rouge ici.